Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve avec MacRentor sur HOI. Salut tout le monde. Bien, par contre, on m'a fait le reproche, on m'a dit on n'entend pas assez la voix de Serikai. Donc comme je leur dis, j'y vois rien, mais il paraît qu'ils veulent t'entendre. Donc j'augmente un peu la voix de Serikai, donc là on est à 60. Je l'ai pas 60, 70, donc voilà. Je sais pas, je n'écoute pas tes vidéos. Benard, en même temps je fais pareil. Attends, ok, donc là... Je ne passe pas mon temps non plus à réécouter mes vidéos, hein. Le joueur un paluché comme certains. Ah ouais, moi pareil. Bon, en fait, c'est quand les gens vous me dites « Ah putain, Mac, le son il est dégueulasse !» ou « Ah putain, Mac, il y a une désynchro !» Ah bon? Ah ouais. Et voilà quoi. Allez, on va chercher les chasseurs un petit coup. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est ici, je recule mes troupes, histoire... Je ne sais pas comment il fait pour ne pas être assis. Il commence à être à court, le mec. Donc, ouais. Là-bas, on avance. Ici, ouais. Je sais pas comment il fait, le mec. Il est au milieu de sa montagne. Je vois pas comment il peut être approvisionné. Honnêtement, là, le Turc, il a 8 divisions. Je sais pas. Là, si quelqu'un comprend, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, parce que moi, perso, comment dire, j'ai pitch que dalle. Je pense que toi, t'as pris le reste, que t'as pris, par exemple, Tripoli. Oui, mais de toute façon, ce que je suis en train de faire, hein, là, je suis en train de l'enfoncer là-bas, c'est-à-dire que il a autant de divisions autour de Benghazi que l'ensemble du reste du territoire tripolitain. Donc bon. Bah ça va là-bas, je commençais à passer en vert. Ouais, ça y est, là je sais pas, ouais. L'eau supply est pris en compte. Est-ce que le fait d'avoir quitté la partie et d'être revenu, ça aide? Bon, ça, on prend la ligne de côte. Pas la ligne de coke. Mais non, en tout cas, il me fatigue celui-là. Tu me fais penser à mes deux techs. J'ai deux techs au boulot, des fois ils me fatiguent les deux. Tant mieux. Ouais, ils sont super quoi, mais ils sont fatigants. On attaque la journée, il est 8h10, je suis déjà crevé tellement il m'a fatigué à dire des conneries. Ce matin, tu sais que mes premières, oh, c'était l'horreur, ils ont sorti des conneries. Et, tu vois, j'ai oublié ce qu'ils ont dit tellement, bah c'était des conneries, c'est affligeant. Là-bas, c'est bon, ça tient. Ah, c'est passé en vert, ça c'est bon signe. Il y a combien? 8 divisions. Eh bien, toi, t'as continué à avancer. Ouais, ça avance tranquillement. Là-bas, il avance plus à Benghazi. Là-bas, on avance. Ma flotte. Ah, les unités disponibles, très bien. On va fabriquer ce qui manque, c'est-à-dire des flingues. Non, dèche de flingue, en dèche de matos de support. On manque de toute façon. On construit. Ah, on a perdu MacRentor. Mac. Ah, alors moi c'est moi qui ai craché alors. Ah merde, c'est moi qui ai craché les gens. Non, pas le crash. Mac. Mac. Tu m'entends? Mac. Bon. Ok, j'ai compris.
Attendez, on va voir ce qui va se passer. Alors, le chat. Bon. Allô, allô? Oui. Ah, tu m'entends? Ouais, je Une t'entends. petite coupure Discord, là, tu m'excuses. Là, j'ai mis en pause. Y'a Ah, d'accord. pas eu de coupure, toi? Hein? Y'a pas eu de coupure, ni de crash, ni rien, quoi que ce soit. Non, non, non. Bon, bah, on peut relancer, excuse-moi alors. Bon, j'ai vu que t'as récupéré Accord, d'accord. l'Italie. Ouais, ça y est, il y a eu la paix, hop. Et l'île de Rhodes, le Dodécanèse. Oui, 2D15. Ah oui, c'est connu ça? Ah oui, c'est... Ouais, ok. Ça, c'est acquis. Le Caliphate of Egypt, qui est un peu bête de l'anglais. De toute façon, on va pas se retrouver en guerre contre la Tunisie. Non, papette. Ouais, donc c'est bon, il n'y a rien à craindre, je vais pouvoir me dégager de la Libye. Par contre, c'est génial que t'as récupéré Rhodes. T'as à la fois les Turcs qui c'est un corps et les Grecs pour qui c'est un corps. C'est marrant ça. Bon. Continuous track 1912. Non, industrie. Tout chercher. L'engineering, tout chercher. Ah, l'empereur Meiji est mort. C'est qui lui? C'est l'empereur qui a ré réformé et modernisé le Ah, Japon. d'accord. Le grand-père d'Hirohito. D'accord. C'était pas un footballeur lui avec un nom pareil. L'artillerie, est-ce que je recherche l'artillerie 14? Non. Les chars, est-ce que je bosse? Non. Les compagnies de soutien, non plus. L'infanterie, non plus. L'aviation, non. Ce qui est génial en Chine, c'est que Pouilly vient de ses gueules. Corps, ah, je peux pas faire. Allez, on va faire ça. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Decision available. On est en paix. Ici, les 24. Ah ouais, eux ils sont un peu gros billes quoi. Ils sont en train de faire sur repositionner en Italie. Enfin, en... comment ça s'appelle? Là-bas? Les mecs sont un tout petit peu expérimentés, quoi. Oh putain. Hop, on arrête de les entraîner. France is influencing our politics. Alors, on va soutenir un petit peu nos alliés. Je vais essayer de faire le focus pour me débarrasser de l'administration et du gouvernement incohérent. Voyons, production, on est bien, logistique plutôt pas mal, décision. Cryptologie, je suis en train de décrypter là-bas, ouais. Construction. Ah, c'est bon, j'ai 18 usines civiles. Ah! La Serbie a déclaré la guerre à l'Empire ottoman. Bien. Ah, ça y est, c'est le. Ig balkanique. Ah. Tous. Les Grecs, les Serbes, les Bulgares. Ah, ils sont tous en train d'y aller. Fortifier la Sardaigne ou la Sicile? Bon, je m'en bats les couilles. On va développer. Honnêtement, la Sicile, c'est là qu'il y a le plus de points de victoire. Hein. Ouais, surtout la Sicile est plus facilement défendable. Ouais, surtout que t'as 30 points de victoire en Sicile, t'as 3 en Sardaigne. La Sardaigne et la Corse, c'est vraiment les trucs que si tu les perds, c'est pas ce qui est le plus indispensable. Tu vas pas Mais pleurer parce que grave tu as quoi. perdu. Oh là là, ah ouais. Ah, l'Ottoman il prend cher. Hein. En fait, t'as tout le monde qui tape dessus, C'est quoi. ça? La Bulgarie, la Serbie, l'Albanie. L'Albanie existe. Merde, j'aurais attendu un petit peu, c'était tout bon.
Coudon. Tide. Qui produit. Hop, on ajuste les trucs. Voilà. On récupère les usines. J'importe un peu de pétrole, histoire d'aller plus vite. Ah, des guerres en cours. Hop. La Sud du Mexique, mon Dieu. Voilà, j'ai préparé mes lignes d'invasion pour l'Autriche. La recherche tranquillement. Je trouve épique, c'est que tu as quand même le Oh là Qatar qui est venu là. avec sa division. Hein. Le mec, j'ai une division, je viens quand même. Où ça? Le Qatar, il est dans la guerre aux côtés de l'Ottoman. Il a une division. Ah bah c'est comment il est venu se battre contre moi, le Qatar? Le Voilà. Qatar, je crois, Jabal Jamar, je crois que Edjaz était venu aussi. Oh, c'est super puissance quand même. Ah, j'ai décodé le code Ostron, quoi. Parfait. Intel. Ouais, je connais 69% de son industrie. Il a combien de... Ah, il a 88 usines. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, sa capacité industrielle, en fait, à l'Autriche-Hongrie, c'est la Hongrie, la Tchécoslovaquie, non, la Tchécoslovaquie en premier lieu, ensuite la Hongrie, et ensuite l'Autriche. Ah ouais, la Hongrie, 24 usines, la Tchécoslovaquie, 30 usines, quoi. Et hyper développée, la Tchécoslovaquie. Enfin, surtout la... Merde, c'est quoi à gauche, ça? La République tchèque. Ouais. Pas assez de manpower. Pas d'ennemis safer et décodé. On va gérer ça, bouge pas. On va décoder l'allemand. Oh là là là, le pauvre Ottoman, il se fait défoncer. Je lui avais défoncé ses armées, mort maintenant. Ouais, de toute façon, il va lâcher, il va probablement faire la paix blanche en lâchant tous ses territoires des Balkans. Ouais. Triste pour lui quand même. Non, je plaisante. Par contre, où est l'Albanie? L'Albanie n'existe pas. Non, il sera probablement libéré. Ah, parce que moi, dans mes idées, j'ai quoi? Fortifier la Sicile et anti. Ah ouais, pour faire l'anti-Autriche-Hongrie politique, il faut que je reconnaisse l'Albanie. C'est comme paradoxal de dire qu'on reconnaît l'Albanie avant de lui déclarer de le défoncer en 39-45, quoi. Après, faut pas se mentir, le royaume d'Italie, Mussolini, c'est pas pareil. Oui, voilà. C'est pas faux. Voyons, guerre en Europe. Green austrophobia. Opinion de l'Autriche-Hongrie, moins 40. Ça va être marrant. Ok, bon allez, l'orbite les jeux. Ah oui, l'Autriche-Hongrie, combien la division?
Les divisions. Oh putain, de 81 à 113 divisions. Watcha. Ah ouais. L'Allemagne, elle a Alors quand combien même, les entre... divisions sont. L'Allemagne, oh putain. 130 à Désolé, je vois 206. entre 113 à 224, j'ai. Donc, entre 130-206. 130... Ouais, c'est toi qui es le plus près. T'as combien de pourcentage sur cette division? Attends, je vais dire ça. Moi, je serais à 43%. 31% de reconnaissance. 43%. Ah ouais! Mais t'as un réseau d'espionnage dessus? En train d'en faire un. Bah, je me demande si même si ça vaut le coup, je me fasse chier à avoir un espion chez l'Ottoman, quoi. Non, non, Techniquement... l'Ottoman, il pourrait peut-être il sera probablement contre nous durant la Grande Guerre, mais l'Ottoman, ça n'a pas été non plus la pire menace. L'Ottoman, il suffit de l'isoler et que le Russe tienne dans le Caucase, comme ça, on peut s'occuper de l'Autrichien et de l'Allemand. Ouais, je viens de mettre un mec en Allemagne. Au pire, on demandera aux British d'envoyer Laurent Zarabi s'occuper de l'Ottoman par derrière. Infiltré de civils à l'administration, c'est pas. Hein. Ah, il me faudrait d'autres. Modifier gouvernement. En fin de cost à l'entière. Non. Démocratique réformeur, non. Pour... non, c'est de la merde. War economy. Non. Tank designer. Allez, Fiat. Essayer de gérer le gouvernement incohérent le plus possible et après je lance toute l'industrie. Un coup que l'autre qui est là-bas. Je vais le rapatrier là, je vais plutôt le faire. Disparaître la résistance, c'est plutôt ça qui est important. Voilà. On va plutôt s'occuper de la résistance. Voyons la résistance. Hors défi la Sicile, c'est tout bon. Non, on va faire un peu de civil. La résistance, elle est où, tcha? Non. Ouais, on va falloir s'occuper de ça parce que là, il y a du laisser aller, quoi. L'aviation, j'ai une grosse aviation. Ouais, et cause combien? J'ai 12 avions. Waouh. Pas mal. Là, bah, c'est bon. La logistique, ça dit quoi? Ça dit que c'est la dèche. Comment ça, je suis en... Comment je peux être en production négative de field gun? Ah, renforcement des garnisons. Une field gun et support équipement. Ah oui, il y a ça à modifier. Occuper de territoire. Faut que je le mette, que les divisions que je dise. Non, on va pas mettre ça. On va plutôt mettre les cavaleries de ligne qui sont beaucoup moins gourmandes. Voilà. Voilà. Infanterie et support équipement. Donc ça fait que maintenant, on va être bien au field gun. Donc 12 000 infanteries et 4 000 équipements. Pareil. Là, c'est la partie un petit peu longue et chiante parce qu'il faut qu'on attende à peu près 2 ans avant que ça Ouais. pète. Tiens, je passe en vitesse supérieure. Oui, clairement, vas-y.
Décision, machin, truc. Le premier of peace, ça fait quoi? Ouais, ça fait un peu de truc. Allez, on fait une petite promesse de paix pour gagner un peu de stab. C'est très 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 calme. Tiens, on va parler du. Tiens, on va s'amuser, on va changer de sujet. Parlons un peu de. Ah bah tiens! Du dernier DLC de d'Europa. Alors, T'aimes il paraît Christophe? qu'il maintenant, ça y est, il est à peu près stable. C'est-à-dire que quoi, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après sa sortie? Ouais, ce qui est pas un exploit, les gars. C'est vrai que. Vous avez merdé là, c'est tout, hein. C'est vrai que t'en avais qui disait, hein, maintenant je vais arrêter d'acheter leur DLC en D0, quoi. Voyons. Là-bas, hop. DC 912. Hey, il tient quand même l'automan. Je sais pas comment il fait l'autre. Il doit avoir des espèces marines, les mecs. Ils arrivent, ils ne reçoivent pas d'approvisionnement. Mais ils arrivent à. Tu sais, ils arrivent à tenir au fin fond, en plein milieu du. De l'Albanie, quoi. Pas comment ils font, effectivement, c'est une espèce de Il y avait miracle. une unité de toutes. Ah non, c'était. Ils étaient pas tout seuls. Voilà. Oula, il bat le papy. Ah ouais, putain, je me fais vieux, moi. C'est quoi, c'était. Central Thrace, East Thrace. C'est marrant, la province de Central Thrace. Tu vois la Thrace? Ouais. Et t'as un bout qui est un peu. Tu te dis, ça appartient à qui? À la Thrace ou à. T'as la Thrace. La Central Thrace, c'est une seule province. Ouais. Et après, t'as les provinces à droite, à gauche, au-dessus. C'est marrant d'avoir une monoprovince. Ouais. Juste, la région était tellement disputée. Oh. Moi, m'en fous, je l'ai déboîté, le pauvre. C'est Bon, sûr. la résistance, ça dit quoi? On rappellera également, quand même, à toute fin utile, que Ah ouais, ça l'Italie baisse. a réussi à être le seul pays européen à rater une guerre coloniale. Ah bah l'héritage. Lieu de Chopi. Bon, en tout cas, la résistance baisse en Libye. Parfait. Alors, j'ai favorisé les garnisons au niveau matos. Hop. On les met. On va les faire s'entraîner un petit coup, histoire que. Voilà, le but, on va renforcer garnison. Hop. Peut rendre du territoire à la Grèce. Je peux relâcher le Sinoussi Order. C'est quoi ça? Ah, ça va être la Libye. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non. Parfait. Bah, t'es cassé les pieds à la récupérer, la Libye. Il faut 14,09 de division de cavalerie pour 14,12. Ah, ça pue, elle en faut de plus en plus. 14,13. Parfois, développer Tripoli. Non, on va plutôt développer. Non, on va attendre. On va en développer en fait. Parce que j'ai développé les colonies pour avoir les bonus d'usine qui vont s'y créer. Je commence à faire ça, moi. Ah ouais, intéressant ça. Il faut d'abord que je calme ma mon les envies de révolte chez moi, histoire Ah oui. de. Alors, prendre Jean Jaurès, ça sert à rien, parce qu'il va se faire flinguer dans 2 ans. Dans 1 an même, d'ailleurs.
C'est pas drôle, t'as un cheat code. Ouais. Donc, là-bas. Résistance target, moins 10%. Ok, il y a combien en résistance strength? 42,9. Je vais peut-être occuper de territoire actuellement. C'est bien l'oversight. Moi, ce que je veux, c'est faire descendre moins 10. On va pas faire ça, on va plutôt faire du. Attends que je regarde ça vite fait. Tu sais, parce qu'il y a deux trucs, il y a la résistance et l'autre, c'est le compliance strength. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça m'apporte plus de trucs. Ouais, bon, on va plutôt défoncer la résistance et on va atténuer au fur et à mesure que. Bonne solution, après tout ça marche, hein. J'arrive au gouverneur. Oh, c'est bien ça, moins 65% de garnison. Local Police Force. Non, on va faire Military Governor. Non, on peut faire du hardcore. Loi martiale. Hop. Non, gouverneur militaire. Ah, quoique, moins 60. Moins 100% nos garnisons. Ah ouais, mais plus 40% le. Non, on va pas faire ça. Moins 50%. Ah ouais, faut pas que je passe à moins 10, sinon déjà que j'ai pas assez de garnison. Autonomie locale. Non, on va rester. Ouais, j'ai pas assez de. Faut vraiment que j'ai de la garnison. Vraiment que j'ai de la garnison. La garnison, j'en suis où d'ailleurs? Ah, il manque plus grand-chose. 1800 armes et 671 support equipment. Ouais, voilà, c'est bon, c'est en train de baisser tout doucement. C'est que je sais que j'aurai pas besoin de fortifier la frontière italienne. Faut tout envoyer Exactement là-haut. pareil. Bah, le problème, c'est que la guerre là-bas, ça va être une putain de guerre à la con. Comme toujours, hein, c'est toujours des guerres à la con de toute façon. Ah ouais, mais dans les montagnes et tout, ça va être folklore là. Dis-toi qu'il y a pire, pense aux mecs qui l'ont vraiment fait, IRL. Ouais, c'est pas faux. C'est comme des fois, je regardais les trucs sur les militaires, ce qui se passe actuellement, même les mecs, la recherche, le Mike Horn, des trucs comme ça. C'est vrai que quand on regarde par rapport à. Par rapport aux premiers mecs qui ont fait l'ascension de l'Everest ou du Mont-Blanc, Ouais. ou des conneries comme ça, c'est. Oh. Dis quand même, putain, aujourd'hui on est quand même bien avantagé avec tous nos moyens quand même. Hein. Et quand Ah je mais pense c'est qu'il y a ça. Hein. des mecs qui l'ont fait mais sans nos moyens. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Tu regardes ça, c'est des choses qui maintenant sont une évidence, quoi. C'est une évidence, mais. Ouais, c'est ça, les premiers mecs qui ont fait l'ascension de l'Everest ou toutes les conneries dans ce genre-là. C'est bluffant. C'est bluffant, bluffant. J'avais vu un truc sur la sonde d'Everest, c'est que pour se repérer, et puis pour avoir des repères, parce que tu as intérêt à avoir des repères quand tu montes, le repère le plus C'est simple mieux qu'ils pour se utilisent, repérer. c'est les corps des mecs qui sont morts. Ah ouais. C'est pas mal, c'est mignon, moi. Petit trajet de démonstration. Ok. Ah. Oh putain, j'ai défoncé machin. Hop. Là. Un. D'ailleurs, parlant de défoncer le Tung-Tung, il en est où? Le ting-ting. Ouais, il en est, il reste 30 secondes. Ah putain, j'ai pas tombé, Ray. Pas Ray des fesses, mais Ray de Star Wars Galaxy of Heroes. Et voilà, je l'ai défoncé. Donc ouais, bon, voilà. Donc en fait, cet épisode, on aura fini la guerre. On aura fini. Enfin, j'aurais fini ma guerre. Serika, il est en train de se développer. T'as combien niveau usine? Moi, je suis à 54 en tout. 77. Oh l'enculé. J'ai 9 usines militaires, quoi. C'est la dèche. J'en ai 24 usines militaires. Oh l'enculé. Ah ouais. Par contre, ouais, là, je viens de voir, j'ai plus aucune usine ni infrastructure en construction. Je fais que de réparer des trucs. Donc là, je vais pencher.
dans le prochain épisode au développement de l'économie, du ceci et du cela. Mais n'oublie pas que réparer, ça se fait automatiquement hein, petit à petit. Exactement, ouais, donc ça, c'est pour ça, ça sert à rien de mettre des ressources. Donc voilà, on va s'arrêter là, les gens. On vous dit bye bye, on se retrouve donc demain pour la suite de la série. Ciao. Allez, tout le monde! Au revoir tout le monde! Yep.